dire ton... Eh bien, ils m'ont appelé. D'accord. Lorsque les Allemands sont sortis, mmh. ils m'ont appelé à Kazan de Tunis. À Kazan de Tunis, je suis resté, je crois, une semaine ou deux. D'accord. Et après de là, il nous a mis dans le camion, on est parti en Algérie, à Alger. Et à Alger, on est resté quelques jours. De là-bas, on a passé la visite pour voir si on est apte pour le service armé. Et ça, à Marseille, on était apte pour le service armé. Et deux jours après, il nous a donné tous les uniformes américains. C'était en quelle année, tu signes ou pas, tu te rappelles ? Fin 43, je crois. Fin 43. 42, oui. Après la défaite des Allemands en Tunisie. À Tunis, oui. D'accord. Alors, il nous a équipé tout en américain. D'accord. Manger des rations, habits américains et tout. Et après, je crois, une semaine, on a embarqué et on a pris direction de Bizerte. Bizerte, c'est le port militaire. Alors, on est arrivé là-bas, c'était un samedi et il pleuvait à torrent. Et comme on était en plein champ là-bas, c'est plein de militaires. Et comme on a vu qu'on était là-bas, c'était la nuit. J'ai dit à un camarade, tu veux qu'on va à Tunis, voir les parents? Elle m'a dit, fou, tu veux qu'on passe au conseil de guerre? On attendait. J'ai dit, viens, t'en fais pas, viens. Elle m'a écouté, on a fait du stop et on a été à Tunis. C'était un samedi soir, on a vu nos parents. Et je lui ai dit, alors demain à 4 heures, on va, on va faire du stop. Alors, le matin, on a fait du stop, on est arrivé, il fait encore un peu nuit, et on cherchait le machin où on dormait là. Et on est rentré doucement, doucement, doucement. Et on a eu de la chance, même pas une heure après, c'était l'embarquement. C'était dans quelle unité, tu te rappelles ou pas? Régulatrice routière, Rhin Danube. Ouais, d'accord. Et on a pris le bateau, parce que si on ne s'est pas rentré, on se l'est porté comme déserteur réfugié. Oui, effectivement. Alors on est monté sur le bateau, et où on va, on ne sait pas. On sait qu'on est arrivé, il faisait nuit et tout, on a débarqué, on est monté dans le camion, où on est, on ne sait pas. Après, on a dit qu'on était à Naples. À Naples? Ouais. Et après, on a lu la route, on ne sait pas que c'était Monte Cassino, nous. Et on est arrivé. Mais quand tu es arrivé à Naples, il n'y avait pas de combat encore? Non, non, c'était à Naples, il n'y a rien. Il fallait encore dans les camions, mais d'accord, ça tapait, hein. On attendait les coups de canon et tout. Et en arrivant, il faisait nuit. On ne savait pas. On voyait de tous les côtés, ça tapait et tout. On dit, qu'est-ce que c'est ça? Oh, dans le camion. On était dans le GMC. Le GMC. Et comme c'est couvert. Tu voyais. On croyait que c'était l'orage. Hein. C'était au front, là-bas. Et on a débarqué, on est sorti du camion, c'était la nuit, nous nous sommes mis de côté et le matin, nous nous sommes trouvés à Monte Cassino. Et là, c'était parti. C'était la bataille, là, c'était parti. Ouais. Tu faisais quoi, toi? T'étais quoi? Eh bien, on se défendait. Non, mais t'étais... Parce que lorsqu'il avançait les autres, nous on est derrière eux et on tient le poste. D'accord. Et il ne faut pas bouger, il faut se défendre pour que les Allemands, ils ne reprennent pas encore... Oui, qu'ils reprennent le poste, voilà. Le poste. Et ça a été dur? Ça a été dur, voilà, c'était pénible. Bon. Il y avait la neige jusqu'au genou, on avait deux paires de souliers, et on avait le soulier, et plus un matelas en plastique, ça s'appelle snowboot, avec des crochets. Snowboot, ouais. On ne peut pas faire du café. C'était en plein bataille. D'accord. Et il y a des moments où tu as eu peur, tonton? Bien sûr, on a peur. Oh. T'as eu peur? Là, tu vois, ça tapait de tous les côtés. Et on est resté un bon moment au casino. Je crois qu'on est resté, un mois ou je ne sais pas. Et on était remplacé par les Canadiens. D'accord, les Canadiens. Alors lorsqu'on est descendu à Naples, en repos, on est resté quelques jours. Et de là-bas, on a pris encore le bateau. D'accord. Et au bateau, en mer, on est resté 8 jours à tourner sur place. Parce qu'on ne sait pas où on doit débarquer. Ah, tu sais. Alors autour de nous, il y avait plein de cuirassiers, il y avait des porte-avions pour nous surveiller. Et un jour, il nous a dit, allez, tout le monde dans la cale, on débarque. C'était à Saint-Tropez. Sur les barges de débarquement, là? Ouais. Sur les bateaux de... On a débarqué le 26,
Le 26 août, à Saint-Tropez. D'accord. Et à Saint-Tropez... T'as débarqué sur la plage? Ouais, sur la plage. Et à Saint-Tropez, on a pris le camion, et on a fait la moitié de la France, on est arrivé jusqu'à Strasbourg. Et à Strasbourg, on a traversé le Rhin, parce qu'il n'y avait pas le pont à Strasbourg. Mais entre Saint-Tropez et Strasbourg, il y avait... Il y a eu des combats, il faut marcher, hein, ouais, avec le camion. Et pour traverser, non, il n'y avait pas de combat là. Entre Saint-Tropez et Strasbourg. Il y avait un peu de combat, oui. Mais quand tu arrives à Saint-Tropez, en fait, le débarquement de Provence. Il y avait encore les Allemands, oui. Il était fini. Du côté des Allemands, oui. D'accord. Et là, on est arrivé à Strasbourg, mais débarquer, on ne peut pas, il n'y a plus de pont. Et c'était le génie qu'ils ont fabriqué un pont en bois. D'accord. On a traversé, on est rentré en Allemagne. Et en Allemagne, on a réquisitionné un grand château, tu vois. C'est là où tu as la photo avec le drapeau nazi. Ouais. Mais dis-moi, tu es passé par l'Ustrutov? Non. Par le camp de concentration? On est passé de côté, ouais. Parce que tu as dit à ton fils que tu savais, tu as libéré le camp. On est passé à côté, on a vu. Non, on n'a pas libéré, mais on a vu. D'accord. Mais on est rentré en Allemagne. C'était fini l'Allemagne là-bas. D'accord. Ça a été pris l'Allemagne. Ça a été pris, c'est pas grave. Ça a été fait, et donc, tu as fini en Allemagne, En Allemagne, on a fait la circulation, habillé comme les MP. Hein. Ouais, j'ai vu, c'est MP, et nous, c'est PM. J'ai vu les photos. Police militaire. Là, j'ai vu que... Tu peux me parler un peu de ce truc-là, la médaille de Vermeil, c'est pourquoi? On l'a donné après. Mais pourquoi vous avez fait quelque chose de... Parce qu'il faut retenir un poste, tu ne peux pas bouger. C'était où? Et ça tapait, c'était en... En Italie, ça. En Italie, ouais, c'est parce qu'il y a eu un truc que vous avez... Il faut le défendre, ça tapait de tous les côtés. C'était quoi? Tu te rappelles, c'était quel poste? Tittingen. En Italie, ouais. Mais j'ai oublié le nom. Bah, c'est pas grave, je le trouverai. C'est... Saint-Elia. Ah, d'accord. J'ai oublié le nom, moi. J'ai oublié le nom. Pas là-bas. Et on ne peut pas bouger. Et une fois que j'ai fait la circulation, c'était en plein carrefour. Et ça descendait de tous les quartiers, les camions, les jeeps. Et en faisant la circulation, je voyais un type qui me tapait derrière le dos. Alors je lui réponds, je dis, attends une minute, je suis occupé. À force de me taper, je me suis retourné. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Et c'était ton père. Mon père, tu vois. Avec Jacques, non, il était seul. Non, elle était seule. Il était seul. Il t'avait vu de loin. Non, elle était à côté de ta pêcheur. Ah, et là, je lui ai arrêté une voiture. Je ne sais pas où il est parti avec. Ça va. Et ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? T'as perdu beaucoup de copains? Oui, au fond. Surtout à Monte Cassino. Saint-Elia. Beaucoup de copains de Tunis? Des copains de la... Dans la machine où je suis, moi, on était... 1, 2, 3, 4 juifs. 4 juifs, le reste c'était quoi? Il y avait des Sénégalais? Non, il y avait 4. Il y avait Mamoudi, je me rappelle encore, celui-là. Il est mort au combat? Non, il n'est pas mort. Celui qui est photographié dans la voiture avec moi. Ah, le noir? Ouais. D'accord, je pensais que c'était un GI lui. Non. Tu as vu, on dirait un Américain. Ouais, bah oui, on dirait un Américain, ouais. Qu'on a fait son coup avec lui. Au fond, le soir là-bas, il y avait deux. Doran, et un Caligou Roger, il était cheminot avec moi à Tunis. Okay. On était 4 juifs, trois arabes. Tous tes copains, ils sont sortis, tes copains? Ah ouais. Les autres. Et toi, t'avais une spécialité, non? T'étais quoi, fantassin? Non, j'étais première classe, moi. Oui, mais t'avais... J'avais ma jeep, moi. Ah ouais? Comment ça s'appelait, tu l'as? Eh bien, tu n'as pas vu la jeep? Si, c'était ta jeep à toi? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ah, je conduisais moi là-bas. Mais t'as pas le permis. Non. Et tu conduisais là-bas. J'ai perdu là-bas, non, j'ai pas le permis. T'as pas le permis, tu. Et je faisais la liaison avec la jeep, moi. D'accord. S'il y a du mal au front. Des? Au front là-bas. Ah, ouais, tu... S'il y a quelque chose, ça va pas. On me donne une lettre pour la porter au PC. D'accord. Au poste de commandement plus bas. Et je faisais ça. Mais t'as combattu toi aussi. Ah oui. À Monte Cassino. C'était dur. Monte Cassino là-bas, il y a eu des morts. Hein.
C'est la plus grande bataille là-bas, hein, Monte Cassino. C'est des montagnes. Et ça tourne. Ah, il fallait que vous les grimpiez au fur et à mesure. Ah, ça tourne. Et nous voyez les Allemands. Mais nous, on ne les voit pas. Ils s'en voient. Et eux, ils tiraient. Et ça tirait de tous les côtés. Hein. C'était mortel. Hein. C'était quoi ton unité? T'étais sous quelle armée? De Lattre, non? On était avec De Lattre, après on était avec Join. Monsaber? Non, Monsaber n'était pas avec nous. Monsaber était dur. Hein. Avec les Tabor, non? Avec les Tabor, oui. Eux, ils étaient mauvais. Hein. Les Allemands, ils avaient peur des Tabor. Au purée, ils ont la trouille, des Allemands. Hein. Ouais, parce qu'il est terminé au couteau. Au purée. lorsqu'ils rentrent dans une ville, il peut prendre ce qu'il veut dans les maisons. Les Tabor? Les Tabor. Ouais. Nous, on n'a pas droit. Pas droit. Non, nous, on n'a pas droit. On n'a pas droit. Et ça s'est bien passé sinon je voulais rester en Allemagne. Pourquoi faire, tu voulais rester? Parce que j'étais avec une femme là-bas. Ah j'étais avec un lac de Constance. Ah ouais. Lac de Constance, c'est joli, hein. C'est un lac immense. Et en face, c'est la Suisse. C'est la Suisse, ouais. Alors j'étais là-bas, il a dit demain on s'en va. J'ai dit non, moi je m'en vais. Non, parce que lorsqu'on était en Allemagne, on ne peut pas bouger le soir parce qu'on était de service, on ne sait pas une fois la nuit, une fois. Tu es resté combien de temps en Allemagne? Oh, je suis resté un bon moment en Allemagne. Tu es passé par Berlin? Là-bas, le porte-papier, là. Ça, celui-là? Oui. En Allemagne, je suis resté. Du 9-5-45 au 4-12-45. Combien ça fait ça? Ça fait 9, 5, 45. Ça fait 7 mois. 7 mois en Allemagne. On était bien. Oh, quoi, on dit? On était bien en Allemagne, non? Donc, t'es. Ouais, c'est ça, lui. Prends-le, ça, en photo. Tunisie, hein? Prends-le en photo, ça. Je le prendrai tout à l'heure. Ça, je l'ai pris déjà. Ça, je vais le prendre aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas le prendre avec caméra, là? Tu as tout pris? Ouais, voilà. Et là, c'est. Voilà. Et mon père, donc, tu es rentré en 45. En 40. Ouais. Et mon père, il est rentré après toi, je crois, en 46. Ouais. Il est rentré en 46. Alors. Mais en Allemagne, on était bien. Oh, on dit. Alors, l'ami, tu m'as sauvé? Ouais, t'allais voir. Il a une villa là-bas au lac de Constance, oh con. Il était divorcé, il a un petit, il s'appelait Peter. Ouais. Il devait avoir, je crois, non, même pas. Et sa mère, il a au moins 100 ans. Ah ouais, voilà. Alors, il y a un camarade qui me dit, oh, il n'y a pas une copine avec elle? Alors, on a trouvé une copine, et la nuit, on passait là-bas. Ouais. Et le matin de bonne heure, on venait doucement, et on rentrait au campement. Dis-moi, est-ce que tu savais pour les camps de concentration pour les Juifs? Non, on est passé à côté. Donc vous l'avez su après la guerre? Ah, c'est après. Ouais. Parce que Jacques aussi. Parce qu'à Tunis, ils ont fabriqué un. Oui, à côté des ateliers. À Mamlif. Non, Jacques, il m'a dit à Mamlif, les Allemands avaient construit un four crématoire. À côté des ateliers. À Tunis? Oui, à Tunis, où je travaillais chez Minot. Ah non, un camp de concentration. Oui, pour le gaz, pour gazer les Juifs. Parce que Jacques, il m'a dit, à Mamlif... Non, pas à Mamlif. Ils ont fait un four crématoire. Non, four crématoire, c'est avant d'arriver aux ateliers. D'accord. Ah, c'est dit tout à l'heure, voilà, mais c'est dit tout à l'heure. Ouais. Vous ne saviez pas On ne savait pas, nous, on s'est après. T'as porté l'étoile, toi, ou pas? Si, hein? T'as porté l'étoile? Ah non, moi non. Mon père, il a porté l'étoile. Moi, j'étais chez Minot. Et lorsqu'ils sont venus, les Allemands, ils ont réquisitionné le. Ils nous ont réquisitionné. Ils nous ont donné un papier. Et tous les matins, de la maison à la gare, c'est loin, pour prendre le train. Et chaque fois, je tombe sur les SS, le matin. Alors, papier. Alors, je le fais voir. Et moi, c'est passé. D'accord. Tous les matins, je passe par eux. Parce que mon père, il a porté l'étoile. J'avais la trouille, hein, avec eux. Au con. Ils étaient durs. Non, ton père a travaillé au port. Oui, avec l'étoile jaune. Avec l'étoile jaune. Ouais. J'avais retrouvé une photo dans un magazine, mais je suis sûr que c'était mon père.
Quand j'ai vu la photo, j'ai dit c'est mon père. Et après, personne n'est capable de. Au port, justement. Au port. Avec une veste, avec l'étoile jaune. Donc ta mère aussi, elle a porté l'étoile alors. Non, ma mère, non. Pourquoi? On n'a pas porté la punition. Mon père, il a porté. Non. Nous, on n'a pas porté. Hein. Ah bon, parce que justement, celle que je Non, non, vois, ma mère ne sort pas. Personne ne sort. Ni mon père, ni moi. On n'a pas porté l'étoile, nous. D'accord. On n'a pas porté l'étoile. Parce qu'il me semble que mon père, il avait la veste. Ah, lui, oui, il a travaillé au port. Ouais, donc il avait, voilà. Nous, D'accord. on n'a pas porté l'étoile. Dans le quartier juif, il n'y avait pas. Donc, quand tu étais en Allemagne, tu ne savais pas qu'il y avait les camps de concentration pour les juifs Ah, et on le tout. savait, ça, ouais. Ah, tu l'as su Ouais. après. Et alors, Ils nous ont dit, attention, ne touchez pas un civil, hein, c'est défendu. Hein. Parce qu'ils savaient que tu étais juif. Non, les chefs, c'est nous. Non, mais quand tu étais en Allemagne, Ouais, non, non, ils ont rien dit. Je vous, parlais non, avec eux. vous avez su que tu as su ou pas qu'il y avait eu les camps de concentration, qu'ils avaient exterminé les Ah, juifs ou pas? ouais. Mais quand tu voyais des soldats allemands qui se rendaient, est-ce que tu avais la haine ou pas? Moi, je me suis dit, si je rentre en Allemagne, je vais profiter. Par satellite, on avait des postes de télévision, il faut le porter à la grande synagogue, avenue de Paris, D'accord. les Allemands. Putain, avec le poste, j'étais là-bas, j'ai toute la matinée à attendre. Je me suis dit, si je vais en Allemagne, que je me dégage. Tu les massacres. Et lorsqu'on est rentré, j'ai dit, attention, ne touchez aucun civil. T'avais la haine? Eh ouais, con, Dieu. Ouais. Ça fait qu'on ne peut pas toucher les civils. Bah, les civils, c'est pas de leur faute. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tant pis Et pour eux. Hein. t'as fait comme mon père, t'as gardé les camps de prisonniers aussi ou pas, non? Non. Non. Parce que mon père, il a gardé les camps de prisonniers à Strasbourg, pas à Strasbourg, en Autriche, je crois, En non? Autriche. En Autriche. Non, j'ai pas été. Et Jacques me disait que les Allemands, ils venaient manger avec.